Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il est 8h30 et mon père n'est toujours pas là. Alors il y a plusieurs possibilités. Soit il attend qu'il fasse jour, c'est-à-dire que hier on a dû attendre quasiment 45 minutes que le soleil se lève parce qu'on voyait rien dehors tout simplement. Deuxième possibilité, il va chercher mon frère et mon frère n'est toujours pas levé. Désolé pour les spots. Mon frère n'est toujours pas levé. Du coup, il est parti le faire sortir du lit. Troisième possibilité, mon père ne s'est pas levé. Ce qui m'étonnerait fortement, mon père a plus pour habitude de se lever vers 5-6 heures du matin. Ça m'étonnerait fortement que ce soit ça. Bon, je penche plus pour la deuxième possibilité. Vas-y, quatrième. Il est tombé malade. Il est tombé malade? Non, mon père, même malade, il vient bosser, lui. Il s'en fout. Mais avec la grippe, mon père... Même avec la grippe, il va au travail, mon père. Les anciens, c'est des forces de la nature. Nous, à côté, on est des petites tapettes. Bon, du coup, qu'est-ce que je vais faire? En attendant que mon père arrive, je vais préparer toutes mes coupes pour carreler ce restant de couloir qu'on a mis en stand-by depuis je ne sais combien de temps. Dans tous les cas, le problème d'eau, la bonne... ne se résout pas, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le placo à 1 cm du sol pour pas être embêté. Oh les chiens, je fais une vidéo les chiens. Je vais mettre mon placo à 1 cm du sol. C'est parce que j'ai peur que si je mets du map, que ça ne colle pas bien. Enfin, parce que c'est humide, du coup, il faudrait que je mette la marquise ou je sais pas. Il faudrait que je trouve une solution, mais j'ai encore ma dalle de ciment toute mouillée. Du coup, je pense que à part faire la dalle, j'ai pas vraiment de solution. Mais bon, ça n'empêche qu'on peut faire le carrelage. Il me reste vraiment 4-5 rangées à mettre grand max. Avec beaucoup, beaucoup de découpes et des découpes vraiment très, très chiantes. Du coup, voilà. Qu'est-ce que vous faites ici, vous deux? Ah oui, regardez. Travailler en pantoufles lapin pour être plus efficace et en sécurité. Les EPI avant tout. Bon allez, du coup, là, je vais aller chercher la carrelette électrique parce que j'ai des coupes vraiment très fines. Du coup, ça, la carrelette à main, ça ne va pas. Et puis, là aussi, pareil, j'ai une petite découpe de merde. Je vais devoir le faire avec la carrelette électrique. Je pense que je vais la mettre dehors, ça m'évitera de faire de la poussière ici. Je sais pas, je vais aller voir ça tout de suite. Bon, ben, j'ai perdu. C'était le numéro 1. Mon père s'est pas levé. Son réveil n'a pas sonné. Honteux. Honteux. Pour quelqu'un qui dit « J'ai l'habitude de me lever à 5-6 heures du matin. Je comprends pas comment tu n'arrives pas à te lever tout le temps à la même heure. » Non, parce que moi, je peux me lever à 5 heures du matin comme je peux me lever à 10 heures. Hein, parce qu'on dit toujours « Oui, tu prends vite l'habitude. » Moi, tous les jours, je me levais à 7 heures pendant les travaux. Donc, pendant à peu près 5 mois et demi, tous les jours, je me levais à 7 heures. Et c'est pas pour autant qu'on a l'habitude et qu'on se réveille sans réveil. Moi aussi, j'ai énormément de mal à m'endormir. Du coup, le matin, c'est très compliqué de se lever. Et j'ai jamais réussi à avoir l'habitude de me lever tôt le matin, sachant que moi, j'ai travaillé longtemps de nuit. Et c'est un rythme qui me correspond très très bien. J'adore travailler de nuit, je me trouve beaucoup plus productif. Si ça tenait qu'à moi, je travaillerais jusqu'à 5-6 heures du matin. Plus que de me lever à 5-6 heures du matin. Mais bon, les voisins, je pense qu'ils ne seraient pas d'accord. Qu'est-ce que t'en penses? Toi non plus, tu ne serais pas d'accord. Toi, ben pourtant, t'as déjà travaillé une nuit. T'aimais pas? J'ai pas travaillé énormément de nuit. Je faisais quelques heures. Oh, moi, je sais que je travaillais une nuit, c'était trop kiffant. Mais bon, on s'en branle un peu. Allez, on va bosser. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la carrelette dans la cave pour éviter de faire trop de poussière à la maison. Je voulais le mettre dehors, mais... Il faisait encore noir, c'était assez chiant. Donc là, comme vous voyez, j'ai fait mon montage à blanc. Je vais venir mettre ça ici. Hop. Donc, ici, c'est la cave. Je m'en fous un petit peu. Je dois recouper un petit peu là. Qu'est-ce que vous faites là? Oust! On marche pas sur les carreaux. Donc là, je vais le recouper. Puis ben, là, j'ai terminé. Et comme ça, ben, avant d'aller me coucher, je vais carreler ça. Comme ça, ben, je suis sûr de pas marcher dessus. Parce qu'en fait, c'est ça le gros souci. C'est que c'est en plein passage. Du coup, voilà. Allez, Débo, elle m'a préparé les croisillons. Elle est partie faire des courses. Moi, je vais mettre ça sur le côté. Je vais les numéroter. Et puis, bah, ce soir, je les colle et on n'en parle plus. C'est parti. Donc là, on se retrouve dehors. Faut savoir qu'ici, la nuit, je suis embêté pour rentrer les voitures parce que je vois strictement rien. J'ai acheté des petites lampes comme ça, là, à énergie solaire.
ça éclaire que dalle. Donc, ce que je vais faire là, c'est que y a Tic et Tac qui avait donné ça à ma marraine pour qu'il me les donne. Et je vais mettre un gros halogène assez haut. J'espère que ça va pas trop éblouir. De toute façon, on va faire le test. Hein. Et mais avec un détecteur de mouvement. Comme ça, je dirai à Débo, danse devant la lumière le temps que je rentre la voiture. Du coup, là, on essaye de voir comment ça se branche. Puis on va venir le mettre ici le plus haut possible. De toute façon, en attendant, les tôles vont rester là. Et puis par la suite, je vais quand même remettre des tôles ici, plus grandes. Pour alors, je sais pas, est-ce que je vais les mettre plus haut, moins haut? On verra ça par la suite. Hein, mais dans tous les cas, là, on va le laisser à l'abri en dessous de la tôle. Et puis on verra comment on va dépatouiller tout ça. T'as trouvé avec le schéma? Bah non, le schéma c'est pour la brancher le fil là, mais c'est pas ça. Ah ouais? Ah bon bah du coup on sait pas comment brancher le détecteur de mouvement. Du coup voilà. Bon je vais vous montrer les autres ce qu'ils font. Ah avant, vous avez vu, vous vous souvenez qu'il faisait trop noir pour vous montrer que j'avais tout vidé. Du coup bah je vous montre, tout est vidé. Donc là mon frère il s'amusa à couper tout le bois. Doun, tu peux couper le cadre des fenêtres aussi. Hein. Ouais, tout ça, faut le découper, j'en ai plus besoin. Donc là, mon frère, après, il va venir me faire des tranchées ici, 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 ici. Pour venir mettre après mes points de niveau. Mais il faut, dans tous les cas, faire plus bas pour pouvoir faire quelque chose de propre. Et ouais, du coup, t'as tout nettoyé pour rien. Ah, c'est pas grave, le vert tu le casses dans un coin et tu le ramasses tout de suite, tu sais, parce qu'il reste deux petits carreaux. Et puis le reste, faut tout découper. Tu casses, tu coupes, tu fais ce que tu veux, moi je m'en fous. Dans tous les cas, le plus important ça va être ça. Mais s'il enlève tout ça, ben ça me fait de la place. Donc c'est pour ça que je lui ai dit de tout découper. Et là, on va voir ce que Déborah le fait. C'est comme ça que tu bosses, papa. Débo, explique-nous ce que tu es en train de nous préparer. Des pizzas à fleurs. Pizza fleurs? Ouais. Bon, des pizzas presque fleurs du coup. Ouais, de toute façon tu vas faire la recette sur ta chaîne. Ouais. Mais pour ça, qu'est-ce qu'ils doivent faire les gens? S'abonner. Et montre avec ton doigt. Montre avec ton doigt où je dois le mettre. Là. Juste ici. Nickel. Débo, faut que tu arrêtes de baver. Non, je sais que tu vieillis. Tu vieillis, mais faut arrêter de baver. Hein. Tu dois faire comme ça. D'accord. Allez, non, je vais retourner dehors. Moi. Bon, le temps qu'ils sont partis essayer de faire la lumière, moi, j'ai fait le contour et j'ai découpé. C'est là que je vais faire une dalle. Donc, comme je vous ai expliqué, je vais faire le biais. Et là, je vais creuser. C'est pour pouvoir mettre à peu près de niveau. Parce que là, je ne sais pas si vous le voyez, ça monte fort. Du coup, je pense que je vais devoir creuser ici, mais peut-être même avant, je sais pas, parce qu'il faudra que je fasse une goulotte pour pas que ça... En fait, faut pas que ce niveau-là soit au-dessus de ce niveau-là, tout simplement. Donc là, je vais me dépêcher, je vais essayer de retirer, je vais aller chercher le laser, et je vais voir ce que ça dit, au moins je serai fixé. Bon, petit problème, je veux prendre mon point de niveau, donc là, vous voyez, j'ai tout fait, je vais creuser un peu ici, là où j'aurais besoin de creuser, enfin bref, ça c'est pas le problème. Je voulais prendre mon point de niveau pour voir à peu près comment je retombe à peu près partout. Le gros souci, c'est que je suis exposé plein sud. Alors, c'est censé être un avantage. Le problème, c'est que le soleil directement sur le niveau laser, bah, il a beau être puissant et tout, bah, je ne vois pas grand-chose. J'arrive pas à voir le... J'arrive à le voir là-bas parce que ici, c'est à l'ombre. Mais j'arrive pas à le voir ici. Le plus important, c'est là. Du coup, bah, je vais devoir attendre que soit que le soleil arrête de taper directement ici, soit bah, attendre qu'il juste il rentre à sa maison, hein, tout simplement. Je sais pas si on se rend compte en vidéo, mais vraiment, il fait vraiment très très clair. Et je vois là où c'est à l'ombre, là-bas, je vois très très bien. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je veux le voir ici et surtout là. Du coup, je suis embêté. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, il y a plein de trucs à faire au hangar. On va aller voir. Bon, donc là, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez ici, il y a un trou. Et mon père, il dit qu'il y a trop d'air qui rentre. Donc, il veut mettre des tôles en plastique de récup
juste que pour plus qu'il y ait de courant d'air à l'intérieur du hangar, pour dire que le vent il se prenne pas. Comme ça, bon, c'est du provisoire, je mettrai sûrement autre chose par la suite. Mais c'est juste pour dire que l'air ne rentre plus et là-bas, il faudra mettre un petit bout de bastin tout simplement. Allez, on va couper le chemin. Savoir qu'on est multitâche. Là, mon père m'a dit, ouais, avant que tu changes ta bâche, donne-moi ton garage, faut que je regarde un truc. La choqueuse, je l'ai pas sur moi, là. Allez, je lui donne la choqueuse. Honteux. Elle a une chaîne de cuisine et elle nous fait des tartes aux pommes achetées au magasin. Honteux. Le bout de gâteau, regarde le truc, là. Ouais. Ouais, la cuillère qu'elle t'a donnée, ouais. J'appelle ça une louche, moi. Hein. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? J'apprends. T'apprends à faire des gâteaux achetés au magasin? Voilà, c'est bon. Bah bravo, c'est honteux. Bon, voyez, il fait toujours jour, mais le soleil, il est derrière, c'est quand même beaucoup mieux. Donc là, regardez la différence. Alors ici, je suis au point zéro. Là, regardez la différence que j'ai avec au fond. J'ai quasiment... J'ai bien 20 cm de différence. Alors là, je vais creuser ici. Toute cette partie-là, je vais la creuser. Et puis, je vais me baser à ça. Donc, j'ai pris mon trait pour être bien. Ce qu'il faut que ce niveau-là soit plus haut que le niveau de la cour. Sachant qu'on va relever le niveau de la cour aussi. Donc, j'ai une marge de manœuvre. Donc là, je suis désolé. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il pleut des cordes. L'avantage maintenant, c'est que je suis à l'abri. Et là, du coup, voilà, je vais me baser à ce trait-là. Et en fonction de ça, je viendrai faire tous mes points de niveau ici. Et puis, on coulera béton, on va pas s'embêter. Allez, c'est parti. Bon, depuis le temps, j'ai mis une lumière provisoire dans le hangar parce que travailler dans le noir, ça devenait chiant. Ah, voilà, c'est quand même mieux au niveau de la qualité. Bon, je vais quand même essayer de vous montrer. Il fait déjà noir, hein, je suis désolé, mais les journées, elles sont vraiment trop courtes.
Je vous montre ce que j'ai fait tout à l'heure avec mon père. Alors je sais pas normalement si je vous montre comme ça. Vous allez voir. Vous voyez ici, on a laissé en transparent. Même si que, je pense que par la suite, comme je vais isoler, on le verra plus de l'intérieur. Mais pour l'instant, ça laisse rentrer de la lumière. Donc le fait de mettre des trucs transparents, c'est de la récup. Hein. Ça, c'est des trucs qu'il y avait ici quand on a acheté. Donc en vrai, ça m'a encore une fois coûté zéro. Même les vis à placo que j'ai mis, c'est de la récup. C'est des vis qui traînaient je sais pas où. Que vous savez, quand quelquefois dans les boîtes, vous avez des vis que vous n'arrivez pas à mettre parce que le bout il est abîmé. Nous, on les met sur le côté et quand on veut mettre dans du bois, je sais que c'est pas fait pour ça, mais pour faire des bricoles comme ça, on a largement assez. C'est du provisoire. Et ben, il y en a assez. Du coup, voilà, donc là-bas, il y a les petits trous là et là que je vais reboucher dès que je vais faire un peu de ciment. Comme ça, ben, ici, il n'y aura plus de courant d'air. Bon, il y a encore le toit. Et c'est parce que là, en semaine, je pense que je vais démonter la troisième partie du hangar. Et puis, si, même s'il fait froid, je pense qu'on va essayer la semaine prochaine d'aller chercher des madriers et de continuer la toiture du hangar pour dire d'avoir encore une partie totalement à l'abri pour que je puisse mettre bah, les voitures ou même du matériel parce que vous voyez, il y a des fuites un peu partout et du coup, même le bois ne sèche pas parce que l'eau continue à couler dessus. Bon, allez, je vous montre de l'autre côté. Alors, donc ici, je suis venu complètement creuser pour préparer tous mes points de niveau, tout ça, comme je vous avais expliqué tout à l'heure. Et vous voyez, ici, il n'y a plus d'eau qui coule là. Et pourtant, il y a quand même de l'eau à la cave. Vous voyez, ce mur-là et ce mur-là, vous devez le savoir maintenant, ils sont trempés à la cave. Et pourtant, regardez, l'eau ne peut plus rentrer ici. Et l'eau ne... En fait, là, c'est même pas mouillé, en fait. Et pourtant, de là jusqu'à peu près ici, le mur dedans est trempé. Ce que je ne comprends pas, c'est que l'eau coule maximum ici. Là, en fait, au bout d'un moment, ça aboie, mais je vous promets que ça ne touche pas. En fait, ici, c'est légèrement en pente comme ça. Donc, l'eau ne peut pas aller. Tout à l'heure, ça coulait bah, maximum ici, en fait. C'est-à-dire que ça ne va pas après ce trait. Et pourtant, j'ai de la flotte à la cave à cet endroit-là. Bon, encore une fois, hein, on va essayer de faire une dalle pour dire que déjà tout là, ce soit impossible qu'il y ait de l'eau. Parce que moi, le seul truc que je vois encore, c'est l'entrée de cave qu'on a rebouchée, vu que l'eau de la cour vient ici encore. C'est le seul truc que je vois. Parce que vous voyez ici, malgré que j'ai abrité, c'est encore trempé. Donc là, on va faire la dalle et seulement après, on regardera si ça règle notre souci. Mais là, ça commence à me chagriner, ce problème d'inondation à la cave. C'est chiant. Allez, on rentre à la maison. Bon, on se retrouve ici, alors dans la chambre, hein, comme vous voyez. Mais c'est pas pour faire la chambre. Je vais vous montrer. On va préparer de la colle à carrelage pour finir tout le couloir. Comme je vous avais dit, donc là, il est 19h. Le temps que je fasse la colle, que je carrele tout. Après, je mets une chaise en travers pour plus passer. Et dans tous les cas, pour mettre les chiens faire pipi, on a une porte par la chambre. Maintenant, je ne sais pas si vous vous souvenez. Du coup, on peut retirer l'accès. On n'est pas trop embêté. C'est juste qu'il ne faut pas marcher sur le carrelage jusqu'à demain matin. Donc là, petit seau, petit sac de colle, petit mélangeur. Et on fait de la colle à carrelage. C'est parti. Bon, on a pris une petite pause pour manger. Du coup, faut se remettre en route, là ça va être compliqué. On va préparer la colle à carrelage. Donc là, on va remélanger un petit coup et puis après c'est parti. Hein. On en colle et on colle. On en colle et on colle. Ça va être chiant. Allez, c'est parti.
Bon, c'est carrelé. Donc là, c'est trop fin, j'arrive pas à faire quelque chose, ça se casse tout le temps. Ici, le joint il est un tout petit peu plus gros parce que j'ai le bâtis de porte qui pousse sur le carrelage. Bon, en vrai, si je le dis pas, ça se voit pas. Donc je vais le laisser comme ça, sinon il faut que je. J'ai déjà eu du mal à le faire. Sinon, il faut que je retire la colle, que je m'amuse à refaire la découpe, sauf que pour faire la découpe, je dois descendre à la cave. Tout rebrancher, sachant que la cave elle est inondée. C'est très bien comme ça. En vrai, je vais zoomer. En vrai, un tapis, ça se voit pas. Je sais pas si vous allez le voir, hein, mais c'est vraiment. En fait, je sais pas, mon carrelage force à droite. Enfin, à gauche, pardon. Bon, après, comme elle dit, des beaux, il y aura un tapis. Hein. Comme par hasard, hein, le dernier carrelage. Faut que je sois emmerdé. Sur 125 mètres carrés, il a fallu que ce soit au dernier que je me retrouve embêté. Et en fait, maintenant que je l'ai mis, ça fait ventouse. Et pour le retirer, c'est juste trop chiant. Sachant que j'ai fait une découpe bien spécifique. Le carrelage, il va jusqu'à derrière et tout. Je prends énormément de risques de le casser. Donc, c'est pour ça. Soyez indulgents avec cette bêtise. Mais sinon, le reste, bah, nickel. Donc là, on laisse sécher et puis bah, on fera les joints assez rapidement. Je vais essayer de ne pas laisser traîner ça trop longtemps. Et je vais vous montrer, il me reste encore deux petits carrelages à mettre. Donc juste ici, vu que Déborah a fait 8 fois trop de colle, bah, je vais en profiter, je vais faire les deux petits morceaux là. Il faudrait que je retrouve là où j'avais préparé mes découpes. Parce que normalement, j'avais préparé. Il faut que je le retrouve. Mais bon, allez, on fait ça et après. Ce sera une bonne journée de fête. Faut vraiment être con pour oublier les croisillons. Ah. Allez, viens. Voilà. Hop, on vient tartiner bien comme il faut ici. Et on vient le déposer délicatement. Là où il faut le mettre, j'allais dire dans son orifice, mais il y a des gens mal intentionnés sur ce YouTube. Aïe aïe. Oh non, il y a un petit caillou derrière. Allez, mets-toi bien. Et encore un. Voilà. C'est fatigant. Voilà. Ça, c'est de la finition, c'est le genre de truc qu'on laisse généralement traîner et traîner et traîner et traîner. Donc là, je vais laisser sécher ça ce soir. Après, ben, il faudra faire les deux petits joints qui restent. Et puis après, il ne me restera plus qu'à acheter les. Comment ça s'appelle ça? Barre de seuil. Barre de seuil. Merci, Déborah. Allez, on va aller faire des plaintes parce que regardez, j'ai dit Déborah, fais-moi un petit peu de colle. Elle m'a fait pour un régiment de soldats. T'as quoi à dire pour ta défense? On va faire des plaintes. On va faire des plaintes. En fait, tu voulais que je fasse les plaintes du couloir, c'est ça. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, il est 22 h passées, peut-être même 23 h, je ne sais pas exactement. Je vous montre. Du coup, là, j'en ai profité que Debo ait fait 4 tonnes de colle. J'ai fait les plaintes, même la petite là-bas, vous avez vu? Au moins, c'est fait, j'ai fait bien derrière, tout ça. Ça, c'est la poubelle à mettre à la déchetterie. Donc, avec le restant de colle, vous savez, là, j'ai la façade. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai des poteaux où on est venu mettre les parpaings entre les poteaux. Et les poteaux, en fait, il y a un jour entre le poteau et le parpaing, vu que le poteau est arrondi. En fait, je me suis amusé à mettre la colle à carrelage dedans. Dans tous les cas, si un jour je fais la façade, je vais devoir le reboucher. Donc, autant que ça serve à quelque chose plutôt que de le jeter à la poubelle. Il n'y a pas de petite économie. Bon! Sur ce, moi, je vous laisse ici avec ma coiffure éclatée au sol. Déborah est déjà partie au lit, elle m'a lâchement abandonné. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. J'ai des beaux qui a des petits coups de mou, et ben, faut faire avec. Je dis ça alors qu'elle vient de partir il y a 10 secondes au lit. Mais enfin, bon, allez, sur ce, prenez soin de vous si t'es pas abonné. C'est en bas à droite que ça se passe. Et nous, on vous dit à la prochaine. Ciao!